à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler évidemment de ce qui se passe en France. Comme ça n'est pas triste du tout, finalement. Hein on est vraiment dans un système où on a une politique bien pourrie, avec des médias qui ne font plus leur travail, qui est quand même de nous informer. Alors là, on est parti pour un an de Jeux Olympiques. On va nous bassiner tous les jours avec euh, l'avancée des travaux pour les Jeux Olympiques, etc. Ce dont pas grand monde a hein, à foutre. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du système. Alors, vous avez remarqué, c'est des sujets, ce sont des sujets. C'est-à-dire que vous avez l'Ukraine, avant c'était la pandémie, ça nous a pris un temps fou. L'Ukraine, ça nous a pris euh, 18 mois, ça continue d'ailleurs un peu. Euh, le climat, alors là, le climat, on n'arrête plus, on ne sait même plus euh, comment c'est possible. Et euh, maintenant, on a les Jeux Olympiques. Alors, les Jeux Olympiques, là, c'est important. Et tout est comme ça. Par contre, ce qu'on ne vous dit pas à la télévision, dans vos médias, ce sont le nombre de personnes qui sont assassinées par des barbares, et ça se produit quasiment maintenant tous les jours en France, dans toutes les villes. Les dernières nommées étant Bayonne, Guingamp, pour citer ces deux-là, où on a, euh, dans, euh, à Guingamp, on a tué, à Bayonne, on a massacré. Le, la personne est dans un coma. Euh, Avancé, c'est-à-dire euh, pronostic vital engagé. Et de tout cela, eh bien vos médias ne parlent pas. Il faut pas ameuter les Français. Hein Ça, c'est la, la, la base de tout le système actuel. Pendant ce. En même temps, on a Macron qui voyage. Alors lui, il passe sa vie euh, dans les pays ailleurs qu'en France, où il vient porter la bonne parole. Mais pas grand monde ne l'écoute, euh, il se prend pour un président d'un grand pays ou un grand président d'un petit pays ou ce que vous voulez, mais ça ne fonctionne plus. Les Français commencent à se réveiller parce qu'avec tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, les émeutes, ce que moi j'appelle les agressions contre la France, ont un peu réveillé quand même ce peuple endormi. Les gens se sont aperçus euh, que le cauchemar était maintenant chez eux. Tant que ce n'est pas chez eux, ça ne les dérangeait pas. Il fallait pas être raciste, il fallait pas ceci, il fallait pas cela. Mais d'un coup, avec les images brutes qu'on a pu recevoir et voir, là, d'un coup, pan Tout a changé. Et comme Macron ou son ministre de l'Intérieur, euh, Darmanin, euh, n'ont pas pris la mesure de ce qui s'était passé et donc n'ont pas réagi par rapport à cela, même pire puisqu'on voit que Macron il a lâché sa propre police, ainsi que le premier sinistre, Mme Born, ce qui est quand même inconcevable dans un État où la police, rappelons-le, est au service de l'État et des Français accessoirement. Donc là, on est vraiment dans une situation, euh, disons, jamais arrivée en France, hein, c'est la première fois, où on voit un chef de l'État qui désavoue publiquement sa police. Ça, jamais vu avant. Et on continue avec ce système de propagande, de dialectique, qui consiste à nous baratiner. On est en présence en fait, d'un télévangéliste euh, qui vient essayer de récupérer des ouailles, hein, qui fait sa propagande pour cela. On est dans un pays, je vais le dire, parce qu'il faut bien que quelqu'un le dise, qui est finalement communiste. C'est un pays communiste, c'est-à-dire la collectivité d'abord. Euh, on parle beaucoup des pauvres. Hein, ça évite de s'en occuper. Euh, Macron, qui avait quand même fait des promesses politiques, je vous en donne quelques-unes parce qu'elles sont sympathiques. Alors, retraite en 2017 minimum à 1100 euros, jamais vu. Retraite 2022 minimum, pareil, 1200, je crois, jamais vu. Euh, le bouclier, hein, ils nous ont vendu un bouclier, un bouclier pour euh, bloquer les prix de l'énergie. Alors, on a vu ce que ça a donné. Rien qu'en 2023, on a déjà deux hausses. Hein l'électricité on a eu 15% en mars et 10% au 1er août là donc ça fait 25 déjà je pense que ça sera répété il a eu affaire comme il a fait pour le gaz il y a deux ans le gaz en six mois il a quasiment doublé en France mais bon ça n'a pas visiblement intéressé les partis d'opposition j'ai jamais entendu d'homme politique ou de femme politique venir nous dire euh, que Macron exagérait, que c'était plus possible qu'il fallait faire quelque chose je pense qu'on devrait tous être dans la rue tous. Et aller manifester contre la vie chère. Ça, ça serait déjà un bon plan. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit d'autre L'essence. Ah, l'essence. En 2023, le litre d'essence ne passera pas 2 euros. C'est bien. J'ai trouvé de l'essence à 2,25, 2,24,9 parce que maintenant on met des petits centimes derrière pour ne pas faire le, le montant exact. Euh, je crois que sur euh, allez, 20 stations essence, il y en avait 4 ou 5 qui étaient en dessous de 2 euros. Les autres étaient à plus de 2 euros. Ça ne choque pas. Personne. C'est pas intéressant, ça fait pas partie de la pandémie, de l'Ukraine, du climat et des Jeux Olympiques. Donc ce ne sont pas des sujets importants. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre dans la macronie d'aujourd'hui. Les sujets importants, c'est Macron qui décide lesquels sont importants et lesquels ne le sont pas. Donc le pouvoir d'achat, l'insécurité ne sont pas des sujets. Ils n'intéressent pas, non pas nous mais le président et sa cour. Et par contre, ce sont vraiment les vrais problèmes des Français, parce que tout le monde est concerné. Là. Le pouvoir d'achat touche à peu près tout le monde. L'insécurité touche vraiment tout le monde. Et pourtant, rien n'est fait. Alors on crée des appellations. Tiens, j'en ai une qui est sympathique. OQTF. C'est-à-dire obligation de quitter le territoire français. Alors l'appellation la, 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 hein, en socialie, c'est quelque chose qui permet d'évacuer le problème. C'est-à-dire qu'on ne traite pas le problème, on l'évacue. Voilà, ça c'est la formule numéro un de la socialie. Ne jamais traiter un problème directement, mais l'évacuer. Et là, ils sont très forts, il n'y a pas à dire, très très forts, puisque les OQTF sont des gens qui devaient partir et qui ne partiront pas. Par contre, pour les méfaits, ils sont toujours là. Mais ce n'est pas grave, hein, parce que si on insiste sur ces problèmes-là, attention, on risque, on risque l'appellation de raciste, populiste extrême droite et tout le bordel et ça, et ça pour eux c'est pas possible c'est pas possible hein. on va nous faire bientôt n'importe quoi et j'avais dit pour le wokisme un truc sympathique imaginons imaginons on peut on ne peut que l'imaginer qu'on crée la case de l'oncle tom un film une nouvelle version avec dans le rôle de l'oncle tom un blanc ben, ça permettrait de refaire tous les cinémas de france qui le projetteront parce que tous ces cinémas-là seront détruits. Ça, c'est au nom de la liberté d'expression. Par contre, quand c'est dans l'autre sens, hein, si Blanche Neige est noire, par exemple, ou si je, les Diptinex ne s'appellent plus euh, les Diptinex, mais ils étaient 10 ça, c'est normal. Hein, ça, c'est tout à fait normal, c'est logique, etc. Et tout est comme ça, tout est à l'avenant. Donc voilà, on est tranquille, on est dans un système bien pourri, d'ailleurs, qui continue de pourrir, hein, parce que c'est comme ça et on se demande jusqu'à quand la France pourra tenir face à tout ce qui se passe contre elle. Et là je pense que, comme je dis toujours, on est mal, on est même très mal. Merci à bientôt!